Au tout début de la Première Guerre mondiale, les Royal Flying Corps, qui ne s'appelaient pas encore RAF, s'installent à Saint-Omer. Parfait! Juste à temps pour le thé. Le 1er avril 1918, la RAF naquit officiellement. Et cela grâce à l'élégant major général Hugues Tranchard. Mais la relation privilégiée de la RAF avec Saint-Omer ne s'arrête pas là. Le 9 août 1941, percuté par un avion, Douglas Bader, as de l'aviation britannique, est obligé de sauter de son Spitfire et tombe en parachute pas loin de Saint-Omer. Oh my prothèse! Juste à temps pour le thé. Aussi célèbre en Allemagne qu'en Angleterre, Douglas Bader avait été amputé des deux jambes lors d'un accident d'avion avant-guerre. À Saint-Omer, il est amené à l'hôpital. Bien qu'il soit bien traité par l'armée allemande, il n'en organise pas moins sa première évasion, aidé en cela par des habitants de la ville. Rattrapé par ses geôliers allemands, il est de nouveau enfermé dans un hôpital. Touché par le courage de Bader, Galland, as de l'aviation allemande, demande aux Anglais de lui envoyer ses prothèses de rechange. Ce sera chose faite lors d'un bombardement de la RAF. Malgré tout, une nouvelle fois, Bader fera d'autres tentatives d'évasion. Achtung ! Qui le conduiront finalement à la forteresse de Colditz et à la confiscation de ses prothèses, où il sera finalement libéré par l'armée américaine au printemps 1945. Bader fut le symbole du courage et de l'abnégation des Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut aussi, après-guerre, un modèle et un exemple pour beaucoup de personnes en situation de handicap.